Lorsqu'on doit manipuler un volume important de données, un texte relativement long, comme dans notre cas, nous avons un document de 44 pages et comportant près de 11 034 mots, retrouver un terme, une expression peut parfois s'avérer un peu complexe. Mais grâce aux fonctionnalités de notre traitement de texte, il nous est possible de limiter un peu les dégâts. Pour y parvenir, on peut se rendre dans le menu principal, commande modifier, commande rechercher. On peut également se servir du raccourci clavier, contrôle F. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, il est donc possible de rentrer le mot ou l'expression recherchée. Et lorsque cette expression a fini d'être rentrée, on peut valider ou cliquer sur le bouton Rechercher suivant. Le document va donc nous amener à la page où nous pouvons avoir accès à la fameuse expression. Tant que la boîte de dialogue n'est pas fermée, on peut remplacer les mots qui étaient recherchés et procéder aux recherches suivantes. Les occurrences trouvées seront très souvent surlignées pour être mises en exergue. S'il y a suffisamment d'occurrences dans le document, il sera possible de retourner aux valeurs précédentes et aux valeurs suivantes. Dans certains cas de figure, on pourrait avoir envie de remplacer un certain mot ou une certaine expression par un autre mot ou une autre expression. Il est possible de remplacer des occurrences individuelles ou de les remplacer toutes. Si jamais on a procédé à un remplacement global. À la fin du remplacement, une boîte de dialogue va apparaître avec le résumé du nombre de remplacements qui a été effectué. S'il s'agissait d'une erreur, il suffira alors d'annuler les actions qui avaient été effectuées.